Salut à tous. Bienvenue dans cette nouvelle édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous vous proposons dans ce numéro une véritable immersion dans le passé de Maurice à travers ce médium à la fois prestigieux et populaire qu'est la photographie. Du 19 au 31 août 2023 se tenait la National Vintage Photography Exhibition, organisée conjointement par le ministère des Arts et du Patrimoine Culturel, le ministère des Collectivités Locales et la National Art Gallery. Investissant l'espace du basement au Codan Arts Center, cette manifestation culturelle proposait un riche panorama, voire un véritable voyage dans le temps au public mauricien. Intimiste, évocatrice, nostalgique, cette expo rassemblait des photos issues de trois sources. D'abord, 13 photos gagnantes, soumises par des habitants de différentes régions de Maurice, dans le cadre d'un concours. Des photos de famille, des mementos, légués d'une génération à l'autre. Autour de cette collection intimiste, un fond d'image à caractère documentariste, provenant de la Government Information Services, évoquant divers moments et aspects de notre pays sur plusieurs décennies. On y voit les Mauriciens dans leurs activités quotidiennes et le pays dans sa marche vers son développement. Enfin, une collection issue du musée de la photographie s'insère comme troisième volet de ce continuum, avec des photos signées Feu Tristan Bréville, ancien directeur de ce lieu de patrimoine photographique. Le musée contribuait aussi à une collection d'anciens appareils relatant l'évolution de la photographie. Compte rendu de cette manifestation avec Julien Ratinon, curateur de la National Art Gallery, qui aura harmonisé ses collections. Julien Ratinon, où sommes-nous? Parlez-moi de cette expo, d'où viennent ces photos, etc. Donc nous nous trouvons actuellement au Codan Art Center, plus exactement dans l'espace qui s'appelle The Basement. Et aujourd'hui, on présente une exposition de photographie vintage. Donc, le projet a commencé en novembre de l'année dernière et un appel a été lancé en janvier de cette année-ci aux Mauriciens, donc aux amateurs, donc, pas d'une catégorie spécifique. Donc, l'idée, c'était d'avoir des Mauriciens qui nous envoient des photos de famille, des photos inédites de leur collection propre. Au mois de février, il y a eu un concours donc, au niveau des district council et des municipalités. Il y a eu une sélection de trois photos, trois gagnants par localité. Donc, pour agrémenter cette exposition, l'exposition s'est construite avec ces photographies donc, des Mauriciens. L'autre contribution à cette exposition, c'est surtout le fond du GIS. Bon, moi, ce que j'aimais avec la série de GIS, ça mettait bien le t'as donné, vu que c'est en prélude, voilà, avant les gagnants. Donc, ça venait peut-être donner vraiment une approche peut-être plus professionnelle de ce regard qu'on avait sur Maurice à cette époque-là. Et voilà, ça construit en fait vers la dernière partie de l'exposition, voilà, où sont les gagnants du concours. Si on regarde bien les photos,
par exemple, on voit bien Paul lui et son développement, on voit bien la Pravasigat. Mais on a une très belle photo. Donc, là, ça, par contre, ça, j'aurais aimé parler. Hein. Alors, chiffre de 1930, celui du milieu du musée de la photographie. Donc, on voit bien, il y a une belle ligne de fuite dedans. On voit ces femmes marcher au loin. Donc, c'était. Ouais. Que ces photos parlent du XXe siècle. Donc tout ce qu'on présente aujourd'hui, c'est de cette époque-là. Et tout ce qui se trouvait ben, après 2000, on n'a pas taken into consideration. L'expo s'est agrandie avec des archives du Government Information Service, donc qui donnait vraiment une vue panoramique de pouvait être Maurice à cette époque-là. Et enfin, on a eu une série de photos du musée de la photographie et des caméras prêtées pour l'occasion. Quelles ont été les considérations dans la scénographie peut-être d'une exposition comme cela ? Avec des images qui sont très intimistes d'un côté, après d'autres images qui sont peut-être plus d'un point de vue d'observateur sur la vie des autres, sur la vie des gens. Alors comment on articule tout ça dans un espace comme celui-ci ? Ce qu'on voulait faire, c'est déjà célébrer la photographie, donc comme ce médium, comme un médium qui est avant tout quelque chose qui peut documenter avant d'être utilisé à des fins voilà, artistiques ou autres. C'est quelque chose qui documente une vie. Et on est allé dessus, en fait. Que ce soit des scènes, des villages, des villes ou des choses un peu plus rares, donc comme en fin d'exposition, on a cette série plus intime, donc on est chez des gens, des photos de famille même. Mais elles résonnent tous ensemble, finalement. Je pense qu'il y a quelque chose qui est similaire par rapport à l'époque où elles ont été prises. Il y a eu cette exposition, elle a été prolongée, rappelons-le. Donc il y avait deux dates arrêtées, mais il y a eu une prolongation. Donc j'imagine qu'il y a eu pas mal de visites, il y a eu peut-être des retombées, du feedback. Comment les Mauriciens réagissent-ils aujourd'hui à une expo de photos de cette période ? Déjà, est-ce que les Mauriciens aiment les expos photos ? Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement plus facile de voir des choses sur son portable, etc. Se déplacer pour aller voir des photos, est-ce que les Mauriciens le font toujours ? Deuxièmement, est-ce que voilà, il y a un intérêt à regarder dedans ? Qui c'est qui justement apprécie de voir cette période ? Quelles sont les générations qui ont je sais pas, une relation émotionnelle avec le XXe ouais. siècle ? Ce qui était intéressant de voir, c'était qu'on a touché, je pense, toutes ces générations, donc du plus petit au plus grand, parce qu'il y avait peut-être pour les plus grands quelque chose un rapport plus nostalgique à ces photos. D'une vie qu'ils ont connue, quelque chose qu'ils ont connu, et en même temps, il y avait cette idée de transmission. Parce que c'était la grand-mère qui parlait au petit-fils, qui disait voilà, j'ai vécu ça, et ça les aidait aussi à mettre en perspective ce que la vie était avant. Donc je pense que l'exposition a touché voilà, quand même un très large public. Et on a eu de très bons retours, donc quelque chose qui a montré comment Maurice était, voilà, et de voir cette transformation qu'on a connue. Moi, je pense qu'il y a une certaine résilience dans ces photos, ce qu'elles parlent, hein, de cette vie qu'on avait à l'époque. Et face au défi du Covid,
je trouvais qu'il y avait un parallèle. Hein. On se dit des fois, on a des qualités et d'où elles viennent. Je pense que ces photos en disent un peu d'où vient notre résilience. Alors, je vais peut-être revenir vers quelque chose. Vous avez parlé tout à l'heure du concours. Voilà, il y a un apport de simples citoyens, etc., qui ne sont pas nécessairement photographes. Quelle est un peu la nature de ce qui a émergé venant justement de quelles sont ces photos-là, qu'est-ce qu'on y voit, qu'est-ce que... Voilà. Il y avait des choses vraiment... du quotidien, donc des choses vraiment, on va dire, du banal, du fait de leur amener maintenant, change leur portée, mais aussi des moments, des scènes peut-être plus rares, peut-être il y a des prières dans les villages, choses que peut-être beaucoup de générations ne connaissaient pas. Ce qui m'intéressait, c'est dans cette série des 13 photos-là, c'était que chacun, comme s'il avait nous donné comme un fragment de ce qu'était Maurice. En les présentant ensemble, on pouvait voir, voilà, c'était le Maurice de ce temps-là. En fait. La gagnante, hein. c'est une poterie, donc c'est la femme qui est en train de faire cette poterie-là. Elle était là ce jour-là, donc c'est une photo que son mari avait prise. Donc c'était intéressant de la voir, elle, dans ce monde présent, dans ce présent, et in the background, la voir elle en train de, voilà, sur cette photo. Ça donnait, voilà, un joli aller-retour. Autre chose aussi, peut-être qui, moi qui m'intéressait, c'était, tu sais, il y a un côté un peu... familier dans les mêmes paysages qu'on voit. Paradoxalement, c'est un peu différent, donc quelque chose qui surprend un peu. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît en même temps, voilà, qu'on voit différemment. Bien sûr, il y a les photos du musée de la photographie. Le directeur de cette institution, le défunt directeur bien sûr, de cette institution, c'était Tristan Bréville, qui nous a quittés en 2022. Ces photos sont aussi présentes dans cette exposition. Qu'est-ce qu'elles témoignent du regard de ce photographe? Moi, je pense qu'il voulait garder quelque chose de Maurice. Comme s'il savait que quelque chose allait changer, qu'il allait partir, allait, voilà, se défaire de ses habitudes-là. Donc il a su capturer, voilà, comme je disais un peu plus tôt, le côté documenté. Donc documenter notre vie, documenter cette île Maurice, comment c'était.
pense qu'il a, il a d'où le choix hein, d'aller voilà, dans des lieux dans des lieux domestiques ou même dans les scènes de village, très typique, très mauricien comme on aurait dit. Et le choix a été porté aussi dessus. Hein. Enfin, ce choix de montrer ces photos-là pour résonner avec notre exposition. Contrairement peut-être à la série qui est exposée de 1976 de Paul Louis. Mais là aussi, c'était toujours, on voit bien, tout allait familier, mais en même temps, le setting, donc le reste, est différent de ce qu'on vit maintenant. Il y a toute une scénographie avec des appareils que peut-être tout le monde ne connaît pas. Oui. Parlez-moi de ces appareils, parlez-moi de cette scénographie. C'était un peu contre-courant de vouloir exposer un jetable qui était déjà utilisé, mais c'était pour montrer voilà, cette jeune génération qui ne le connaît pas, un jetable. Il leur expliquait que voilà, on prenait des photos et après on jetait l'appareil. Voilà, c'était quelque chose qui était très courant. Et voilà, c'était la pellicule qui restait, voilà, qu'on développait pour ainsi avoir les photos. On a le premier Polaroid aussi. C'est intéressant de montrer c'est quoi un Polaroid. Maintenant, on a les modèles beaucoup plus compacts, mais ça existe toujours. Et les caméras professionnelles. Voilà. Puis, ce qu'on a pu expliquer, tu sais, avec en montrant le négatif en haut, c'était qu'est-ce que c'était une pellicule. Parce que maintenant, tout est facile à l'ère du numérique. Voilà, en un clic, on a une photo. Et à l'époque, c'était vraiment, voilà. Prendre la photo, la faire développer, développer le film et ensuite voilà, avoir les photos. Donc c'était tout un cheminement, une aventure. Vous avez prévu quelque chose d'assez spécial qui ne se voit pas au premier abord. Alors, il y a une petite pépite qui est cachée dans cette expo. Alors, oui, à la fin, on a mis un petit post-it au sol pour dire voilà, de regarder en haut. Et on a voulu investir cet espace qui était tout le temps là, en fait. Donc, il y a inclus trois images de Paul Louis, donc où nous trouvons actuellement, où l'image pouvait s'insérer. Parlez-moi de cette image qu'on y voit, en fait. Donc on voulait montrer à la jeune génération surtout qu'est-ce qu'était un négatif. Donc un négatif, c'est l'image qui produit la photo. Donc à travers un enlarger, voilà, dans des appareils. Donc c'est l'inverse qu'on voit dans la photo. Donc on trouvait que on avait une source de lumière et c'était la meilleure façon de montrer voilà, un négatif. On a eu donc ces photos toujours du musée de la photographie. Donc c'est une série que Tristan Bourville avait pris en 1976 à Port-Louis. Donc la première photo, c'est simplement une rue de Port-Louis. Au loin, on peut voir le musée de la Poste. La deuxième, c'est la municipalité de Port-Louis. Et en dernier, on voit bien le théâtre de Port-Louis. Et si on regarde bien dans les photos, il y a un petit garçon donc, qui se balade dans Port-Louis
Ce que Frédéric Breville m'a dit, c'était voilà, cette série de photos a été prise en un jour. Donc c'était Tristan qui suivait ce petit garçon. Voilà. Initialement programmé du 19 au 25 août, la National Vintage Photography Exhibition a suscité un véritable engouement auprès du public. L'expo fut prolongée d'une semaine, prenant fin le 31 août 2023. Vision plurielle de notre passé, elle a offert aux Mauriciens et aux visiteurs une fenêtre rétrospective sur notre parcours en tant que pays et en tant que société pluriculturelle. Elle aura aussi proposé un voyage riche en émotions, évoquant tour à tour curiosité, émerveillement et nostalgie auprès de différentes générations. Un rappel, si c'était nécessaire, que la photo est le médium de l'intimité et de la mémoire par excellence. Cette édition prend fin. Rendez-vous bientôt sur les grandes lignes pour un autre voyage à travers l'image. Restez en ligne.